Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, que j'appelle affectueusement l'Empereur. Je salue l'Empereur. On sait qui c'est l'Empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans, parfois tumultueux. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci. Sassou. La dictature prédatrice s'est appropriée du Congo telle une proie, projette une énième élection gagnée d'avance comme les précédentes. À l'image des cirques d'avant, la machine est lancée, l'effervescence des activités politiques atteint son paroxysme. Quatre acteurs majeurs vont être déployés pour le prochain malheur des Congolais. 1. La France-Afrique et l'Élysée. 2. Le Parti Congolais du Travail. 3. L'opposition de façade. 4. La corruption des larges couches sociales paupérisées. Nous examinons les travers de ces protagonistes liés à la prochaine escalade du pouvoir vieillissant de Brazzaville dans sa longue marche à conserver le lit des privilèges accumulés depuis 4 décennies. 1. La France qui continue à tirer les bénéfices de la colonisation à la bouche pleine des plats cuisinés par la France-Afrique, elle n'ose pas une seule seconde perdre ce lot de recettes toutes délicieuses, les matières premières et le pétrole notamment au Congo-Brazzaville qui constitue la seule motivation à soutenir des dictateurs ennemis de leur propre peuple, devenus les inconditionnels de la France. Le chef du clan régnant fait profil bas, bête et discipliné, il loue ses services au cœur de cette relation incestueuse. Les Congolais doivent trouver les ressorts nécessaires pour nuire sérieusement à cette idylle, l'association www.survie.org fondée par feu François-Xavier Verschaff d'heureuse mémoire serait un allié de taille, puisqu'elle fait un travail remarquable pour dénoncer, exposer les méfaits de cet établissement maléfique destiné à garantir un mieux-être à la France au détriment de l'Afrique. Il ne faudra pas oublier qu'il faut porter une communication énergique sur le plan panafricain, obtenir le soutien et l'appui de nombreux intervenants africains convertis à cette cause longtemps ignorée.
2. Le PCT pourvu de toute sa machine qui constitue l'architecture du déploiement du vaste système de falsification qui va se répandre à travers le pays, octroyant les cartes d'identité et d'électeurs aux sujets étrangers, menace voilée à l'appui, se sachant vomi par les Congolais, il jette son dévolu sur cette catégorie à la merci de leurs caprices. Ce parti responsable de la débâcle de la Maison Congo invite ses responsables à une course de fond, sachant qu'en cas d'échec de leur aventure d'exécrable gestion, les portes des prisons s'ouvrent à eux, tels de vulgaires criminels. Minoritaire dans le pays, le PCT a néanmoins une expérience avérée dans la manipulation, ils vont projeter les peurs à venir pour cueillir les esprits faibles, alors qu'aucun pays voisin ne menace le Congo, le discours est basé sur une prétendue paix, l'ayant défini comme l'absence de la guerre. Paix et guerre, leurs thèmes favoris sont exhibés confusément comme des trophées, de surcroît un programme de gouvernance, il s'agit en réalité d'une menace pure et simple, permettre aux populations de se souvenir des pires souffrances qu'ils avaient distribuées pendant les affrontements qui les ont permis de faire main basse sur ce qui reste de l'État, couplé des surenchères outrancières, ainsi opère le monstre PCT pour détourner l'attention des couches sociales fragiles. En réalité, ce cartel mafieux joue sa propre survie devant la déchéance connue de la gestion catastrophique du pays. Néanmoins, ils ne font que prolonger l'échéance, seule la mort permettra à une poignée d'entre eux d'échapper à la sanction qui les attend au tournant, on ne peut pas vaincre un peuple à l'infini. La saga des Nguesso aura bien un terme. 3. Les opposants congolais qui, dans un contexte de victoire préétablie pour Sassou Nguesso qui se précipite à fournir le décor de l'élection présidentielle du 21 mars, jouent une funeste comédie. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, d'heureuse réputation plébiscitée à l'élection de 2016, arraché par Sassou Nguesso au milieu de la nuit. Jugé et jeté en prison sans état d'âme ni la moindre hésitation. Les opposants devraient même, dans la pire hypothèse, demander avant tout la libération du général comme préalable à la participation à toute élection au Congo. Il n'en est rien, Mathiason, Guy Brice Parfait Kolla, Bonaventure Mbaya, Emma Vungu Nzinga Mabio, Joseph Kinyuombi Kiambungu et Albert Onyangé déjà sur la ligne de départ. Nous avons des années durant soupçonné le collège d'opposants d'être des simples figurants, la preuve matérielle ils viennent de la produire sur la place publique, leur réelle nature est celle d'accompagnateurs, de faire-valoir et d'acteurs minables pour le rayonnement pitoyable de la contre-démocratie de leur maître vrai ou supposé Sassou Nguesso. Nous sommes en face d'un véritable complot ourdi contre le peuple du Congo par cette portion de la classe politique. Au-delà du cynisme des candidatures, leur posture oblige les Congolais engagés pour l'avenir du pays à tourner définitivement la page, mettre une croix très visible sur ces lugubres visages à la solde du pouvoir. Une élection dont le vainqueur est connu d'avance, trouve des concurrents, véritable drame, cette attitude alimente le cycle de vie du pouvoir prédateur, invraisemblable. Dans nos quartiers, lors des conversations entre compatriotes soucieux de l'avenir du pays, sans détour le virage des opposants candidats est assimilé à juste titre à la sorcellerie. Le Congo est finalement malade par un fait prémédité, volontaire et complice d'un part non négligeable de sa classe politique, le général Mokoko intraitable jusqu'au bout, au-delà de la furie du pouvoir, est entre autres victime d'une opposition de mèche avec la dictature corrompue de Brazzaville. Ces candidatures sont un précieux gage inespéré apporté à Sassou Nguesso, il permet de comprendre le plus naturellement du monde que ce personnel politique est à la recherche de gains égoïstes, les Congolais ont largement raison de penser, de dire tout le mal qui colle bien à ses compatriotes égarés, naviguant à contre-courant, qui avaient à n'en point douter un agenda caché qui n'épouse pas les intérêts des populations meurtries, ruinées jusqu'à la moelle dont les lendemains sont incertains. Un appel à la marginalisation de ces escrocs politiques est urgent avant cette échéance. 4. La corruption par l'achat des votes sera, à coup sûr, le mode opératoire des barons du PCT pour déplacer les électeurs, éviter ainsi le boycott massif annoncé de cette élection. C'est bien dommage qu'une bonne partie de la population ne comprend pas l'envergure ou l'utilité du vote, prêt à monnayer le suffrage en échange des expédients. Face à une instruction inexistante, jeunes, adultes et vieux font le jeu de cette manœuvre impudique qui fera obstacle à l'appel au refus de cette élection piégée. La paupérisation et l'absence de patriotisme sont un réel danger pour affranchir un peuple face à un pouvoir qui a ruiné tous les espoirs, dont la notice exige la corruption de masse.
L'occasion aurait été belle si Sassou Nguesso n'avait pas de concurrent à cette nouvelle mascarade, ce serait un casse-tête, un saut dans le vide pour l'avenir des Mboshi, dont les généraux avaient abordé une solide réflexion. Enfin depuis 60 ans, deux obstacles majeurs brisent nos rêves de développement, la France et ses valets locaux. Nous devrons mettre sur la table le scénario de rupture avec la France quand l'empereur rejoindra son luxueux cimetière, sa cour écartée à jamais. Jusqu'à 15 minutes, tu peux résoudre le camp. En Benda, tu as 1 million. Bino le quartier, moi, je vais être ceux qui en Benda, il y a une candidature, il faut voter. Le quartier, il y a mon pays, rue mon pays. Mon pays, il y a une candidature, il y a un Benda. Ceux qui ont dit, moi, ça peut voter, il y a un Okokoufa. Camille Okokoumaï. Monsieur le ministre, Mais mon temps au bout à qui peut-être la 2000. La question est de savoir, est-ce que les anciennes candidatures ont apporté un grand développement au Congo? Est-ce que les libertés ont été sauvegardées? Est-ce que l'économie a avancé? Est-ce que les populations ont une amélioration des conditions de vie? Absolument pas. Aujourd'hui, certains Congolais qui n'ont même pas de quoi se soigner meurent dans nos hôpitaux sans aide parce qu'il n'y a pas un système de santé efficace. Donc, je pense qu'une nouvelle candidature, ce serait malheureusement continuer dans cette pratique qui malheureusement a aujourd'hui atteint ses limites. À la rigueur, la question c'est de savoir qu'est-ce que le président actuel peut apporter de nouveau sur les problèmes du Congo. Nous constatons que malheureusement, le président a eu assez de temps avec ses collaborateurs d'apporter des changements. Ces changements ne sont jamais arrivés. Voilà pourquoi nous considérons qu'il serait important aujourd'hui de tourner la page et de concevoir le Congo dans une autre conception de la gestion, avec plus de rigueur et plus de pragmatisme, pour que les Congolais puissent avoir un développement plus harmonieux. Bonjour Monseigneur Abania. Bonjour Monsieur. Dans le message que la conférence épiscopale du Congo vient de diffuser, vous indiquez que vous émettez de sérieuses réserves qu'une élection présidentielle apaisée, participative, transparente, libre et crédible puisse être organisée dans les conditions actuelles. Sur quoi sont fondées ces réserves? Demain, nous allons passer aux élections. Ce sera sûrement difficile puisque tout n'a pas été fait. Où sont les listes? Est-ce que les listes disent la vérité? Nous parlons de cartes biométriques, on les a pas. Avec le coronavirus, avec le confinement et tout, bon, les gens qui ne peuvent pas se mettre ensemble, il faut rester séparés et tout, ça sera compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? On craint que ce ne soit pas bon. Pour tous ceux qui n'ont pas pu lire ce message, Monseigneur, qu'est-ce que vous craignez? Les Congolais ont peur. Il y en a qui préparent, il faudrait déjà aller dans son village natal et puis comme ça on est tranquille. Bon, il y a cette peur-là. Donc on craint que la paix ne soit pas là, ce que nous désirons le plus. Les Congolais, écrivez-vous, Monseigneur, ont de moins en moins foi dans le système électoral actuel. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette perte de confiance dans le système électoral? Hier, ce n'était pas bon.
on recommence encore la même chose, vous pensez bien qu'on peut perdre la confiance. Est-ce que ceux qui votent sont vraiment ceux-là qui doivent voter? Est-ce qu'ils ne votent pas à tel endroit pour aller voter encore à tel autre endroit? Dans certains coins, il y a presque plus de population, mais on voit aux élections qu'il y a plein de monde là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens sont revenus seulement pour voter? Bon, tout cela nous fait faire des réserves. Ce que nous avons écrit, si ça peut aider le gouvernement et les responsables à s'améliorer, ce serait très bien. On se dit, tiens, maintenant on va prendre au sérieux ce qu'on a à faire. Dans telle ville, il y a tel nombre d'habitants. Voilà ceux qui peuvent voter ou pas. Bon, il y en a qui sont morts, c'est pas ceux-là qu'il faudra faire voter. Voilà ce genre de choses. Qu'on soit un peu plus proche de la vérité. Comment peut-on faire, justement, selon les évêques et les archevêques? Bon, nous, on n'a pas trouvé de solution, mais au moins, on fait noter que telle manière d'agir n'est pas bonne. Il faudrait essayer de faire mieux, de faire quelque chose pour s'approcher un peu de la vérité. Vous renouvelez dans ce message votre prise de position sur l'alternance d'il y a plusieurs années. Vous souhaitiez alors que l'alternance au pouvoir devienne une règle intangible et immuable pour notre démocratie. Et vous souhaitiez qu'au Congo, on applique un mandat renouvelable une seule fois. La position est là. On s'est dit mais ce serait bien que ce soit une fois. Par exemple, pour l'impunité, il se pourrait qu'on s'habitue tellement avec les personnes qu'on soit incapable de les sanctionner. Alors si on fait une fois seulement, celui qui vient, bon, il faut qu'il travaille et bien. Est-ce que certaines actions urgentes peuvent être ou doivent être menées par les autorités pour avancer vers une élection transparente? Si toutes les listes peuvent être prêtes avant et dans les localités, on sait qui pourra voter, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Bon, mais avec ce que nous avons dit, il y a peut-être encore quelques jours pour que le gouvernement fasse quelque chose et réalise ce qu'il peut réaliser avant ces élections. Qu'est-ce qui motive cette prise de position forte de la conférence épiscopale? Simplement, on écoute les gens, on les entend qui se plaignent et tout. Ceux qui sont dans le gouvernement et tout, ils ne peuvent certainement pas se plaindre comme d'autres, mais les autres se plaignent vraiment. Alors s'ils peuvent nous écouter, ils penseront à tout Congolais et il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la gouvernance du Congo selon la conférence épiscopale? On demande d'abord au gouvernement d'éviter la corruption et de se mettre un peu à travailler pour les défis dont nous avons parlé. Que le peuple congolais puisse avoir l'électricité, par exemple, qu'il soit soigné, qu'il soit éduqué. Ça, c'est tout à fait normal. Ça sera déjà beaucoup. Merci, Monseigneur Abania. Merci. Thierry Mungala. Bonjour, Laurent Corot. Le gouvernement congolais entend-il les réserves émises par la conférence épiscopale sur la prochaine élection présidentielle? Les évêques sont des citoyens congolais qui ont tout à fait le droit de s'exprimer. C'est un droit inaliénable dans le cadre de notre démocratie. Simplement, le gouvernement s'étonne à la fois du moment auquel intervient cette déclaration des évêques et la forme et parfois même la brutalité de certaines affirmations des évêques. J'en prends pour exemple le fait que les évêques parlent de la nécessité de revoir les listes électorales, mais ils semblent ignorer qu'ici, au moment où nous parlons, et depuis le 23 janvier 2021, jusqu'au 7 février, les listes électorales sont en cours de révision. C'est-à-dire que le souci exprimé par les évêques, qui consiste à dire est-ce que les gens sauront où aller voter, est-ce qu'ils sauront qui est mort et à éliminer de la liste, ou est-ce qu'on tiendra compte du fait que quand on a déménagé et qu'on est dans un nouveau lieu d'habitation, on trouvera la bonne liste électorale avec son nom? Toutes ces préoccupations et ces soucis sont prises en compte. Et nous attendons des évêques, dans leur rôle apostolique et citoyen, qu'ils appellent leurs fidèles plutôt à aller assister et participer à la révision des listes, plutôt que de dire que rien n'est fait. Et sur le fond, tout de même, monsieur le ministre, il y a ce constat des Congolais qui ont de moins en moins foi dans le système électoral. Est-ce que c'est un constat que vous remettez en cause?
Nous remettons en cause le fait que les gens aient de moins en moins foi. Nous disons simplement que la construction démocratique est un processus lent, est un processus complexe. Oui, il y a des choses qui restent à faire, qui ont été constatées notamment lors de la concertation de Madingou, parmi lesquelles le chemin qui doit nous conduire à l'application de la biométrie. Mais nous considérons qu'il n'y a pas de raison pour les citoyens congolais de désespérer de la démocratie et du processus électoral. Et quand les évêques justement écrivent « Notre peuple est fatigué de ces élections qui fragilisent la cohésion sociale et qui entachent l'image de notre pays à l'étranger », est-ce que c'est une fatigue du pays profond que l'équipe gouvernementale perçoit ? Non, je crois que les évêques, si on suit bien leur logique, voudraient qu'il n'y ait pas d'élections, tant que les élections ne seront pas parfaites. Eh bien non, nous considérons que le processus est une dynamique, le processus est un mouvement, ce processus va dans le bon sens. Il y a la nécessité pour chacune et chacun d'entre nous d'intérioriser le fait que malgré les difficultés financières, malgré la présence et la persistance de la Covid, nous devons parfaire le processus électoral pour permettre que la vie démocratique continue à fonctionner dans notre pays. Donc non, nous ne percevons pas cela. Peut-être que les évêques perçoivent les choses différemment, mais ce sont des citoyens, ils sont libres d'avoir leur perception. La conférence épiscopale déplore que les problèmes nés des précédentes élections n'aient pas été résolus à ce jour et elle dit ne pas prendre conscience des maux qui minent la gouvernance électorale dans notre pays depuis quelques décennies, c'est s'exposer à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que vous diriez, Thierry Mungala, qu'un certain nombre de problèmes liés à la gouvernance électorale n'ont effectivement pas été pris à bras-le-corps ? Nous sommes partis de loin il y a 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes allés vers une transparence plus importante avec le bulletin unique. Nous sommes allés dans un processus consensuel, paritaire et inclusif pour la révision des listes électorales. Nous avons une commission électorale composée des différentes parties prenantes à la mise en œuvre du processus, majorité, opposition, magistrature et société civile. Nous avons, dans le cadre des bureaux de vote, depuis les bureaux de vote jusqu'aux phases de compilation et de publication des résultats, la présence de toutes les parties prenantes. Alors, nous avons des efforts qui ont été faits, certains efforts restent à faire, aucune démocratie au monde n'est parfaite. Il y a à travers le monde des exemples de crises post-électorales qui nous parlent suffisamment, y compris pour des démocraties multiséculaires. Donc oui, il y a des choses à améliorer, mais ces choses ne s'amélioreront que dans le dialogue, dans la concertation, et c'est ce qui a été fait récemment à Madingou. Alors justement, il y a une autre demande de l'Église dans ce message, c'est celle d'un dialogue politique plus large que la concertation de Madingou. Est-ce qu'un tel dialogue est envisageable ? Je crois percevoir une confusion de la part de nos amis évêques. Le Conseil national du dialogue, qui est prévu dans la Constitution, est un organe dont la mission essentielle est d'évoquer, sur convocation du président de la République, qui est le seul juge de l'opportunité de le faire, de convoquer un certain nombre d'acteurs qui sont prévus dans le cadre de la Constitution, de manière large, un large éventail, pour parler des grandes questions nationales. Or là, la concertation de Madingou est une concertation engagée par le gouvernement qui est le seul organe constitutionnel qui est habilité à engager le processus préélectoral et électoral. C'est donc le ministère de l'Intérieur qui a organisé. Vous voyez, on ne se place pas au même niveau d'appréhension du problème. Et donc un dialogue politique plus large est envisageable ? Mais tout est envisageable à partir du moment où le président de la République, conformément à la Constitution, l'estimerait nécessaire. Thierry Mungala, que répondez-vous aux évêques au sujet de l'alternance quand ils souhaitent que l'alternance au pouvoir devienne une règle intangible et immuable parce que ces changements à la tête de l'État permettent d'avoir des élites politiques pleinement mobilisées sur le bien commun ? L'alternance ne se décrète pas. Je crois que les évêques peuvent remuer dans tous les sens et dire que l'alternance. On peut crier comme un cabri sur sa chaise « alternance ». Elle ne se décrète pas, elle dépend du libre choix du peuple. Et tant que le peuple aura choisi une équipe dirigeante, et ça arrive à travers le monde, eh bien cette équipe dirigeante aura la légitimité pour ce faire. Le jour où cette équipe dirigeante sera battue,
dans les urnes, eh bien, il y aura alternance. Et je crois lire dans ce propos de la part des évêques, plutôt l'expression diplomatique ou l'expression réservée de leurs véritables sentiments, qui consisterait à dire « le président de la République actuelle doit partir ». Eh bien, moi, je vous dis, Laurent Corot, le président de la République a été candidat à plusieurs élections présidentielles. La première élection présidentielle a eu lieu en 1992. Il a été battu, alors qu'il était chef de l'État, et il a quitté librement le pouvoir sans qu'il y ait la moindre agitation ou la moindre violence. Donc on ne peut pas lui faire le procès au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de ne pas prendre en compte cette notion d'alternance. Pour le reste, tant que la Constitution le permet, tant que les droits civils et civiques de chacun des candidats lui permettent de se présenter, et tant que le peuple le voudra, eh bien, les choix ne dépendront que du peuple souverain. L'un des problèmes qui est pointé par les évêques dans leur message, c'est celui de la lutte contre la corruption. Il faut, disent-ils, combattre avec détermination la corruption, l'injustice et l'impunité. Il faut travailler au rapatriement de l'argent volé à tous les niveaux, ou encore atteindre la transparence et la redevabilité en matière de gestion du pétrole et des autres ressources naturelles. De quelle manière est-ce que le gouvernement prend en compte cette préoccupation ? Dans la déclaration des évêques, il y a deux choses. D'abord, une accusation que je qualifierais d'extrêmement grave, puisqu'elle n'a pas été mise au conditionnel. Il propose le rapatriement d'argent qui aurait été volé au peuple. Alors, cette affirmation, moi, me paraît extrêmement grave. Si les évêques disposent d'informations précises, eh bien, ils sont des citoyens qu'ils saisissent le procureur de la République, parce que l'information qu'ils nous donnent n'est pas donnée au conditionnel. Je n'aperçois aucun élément matériel en tant que membre du gouvernement et en tant que représentant porte-parole du gouvernement qui permette d'étayer cette affirmation grave. Donc, si les évêques ont des informations, qu'ils saisissent la justice et les autorités judiciaires compétentes. Maintenant, de manière globale, il ne suffit pas de dire, comme l'a dit Mgr Abagna sur vos antennes, il faut éviter la corruption. C'est un argument qui peut relever des préceptes bibliques comme les 10 commandements de Dieu. Vous voyez, Moïse qui disait « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », c'est bien. Ce sont des affirmations morales. Ce qui compte n'est pas d'éviter la corruption, on ne l'évitera jamais parce que l'être humain est ce qu'il est. Par contre, ce qui compte, c'est de lutter avec une volonté politique contre la corruption. Eh bien, vous devez savoir, et les évêques, je pense, doivent le savoir, avec la coopération, la participation technique du FMI, de la Banque mondiale, et dans le cadre du processus qui nous met en programme avec ces organismes, nous avons mis en place par la loi une haute autorité de lutte contre la corruption, qui est une haute autorité totalement indépendante et qui, depuis lors, depuis quelques mois, est à pied d'œuvre et lutte effectivement contre les faits relevant de la corruption. Donc oui, le gouvernement considère qu'il s'agit d'un point important, mais c'est un point qui est pris en compte et la volonté politique du président et de son gouvernement est sans faille. En conclusion, monsieur le ministre, de quelle manière est-ce que le gouvernement réagit à cet appel de l'Église catholique à ses fidèles ? Nous sommes assez surpris du fait que l'Église catholique, dans toute cette déclaration, elle est souvent sortie d'ailleurs de son rôle habituel, qui est celui quand même de considérer que tous ses fidèles ne partagent pas forcément la même position politique. Mais enfin, par contre, on demande des précisions sur le fait que l'Église demande aux fidèles d'être vigilants et documenter autour d'eux toute violation de la dignité de la personne humaine. L'Église n'est, à ma connaissance, ni un service spécialisé de la justice pour pouvoir demander aux gens de documenter et de signaler des exactions éventuelles. L'Église n'est pas une ONG chargée de la défense des droits de l'homme. Et trois, l'Église qui parle dans toute cette déclaration du respect de l'état de droit devrait plutôt renvoyer l'ensemble des fidèles concernés vers les services compétents de l'État, police et justice, en cas d'atteinte à leur dignité ou d'atteinte à leur intégrité. Mais là également, nous avons de la part de l'Église une réponse assez curieuse à la situation présente. Thierry Mungala, merci. Je vous remercie. Le Rwanda a courageusement médité sur ses rapports avec l'ancien colonisateur belge et la France. L'option de rompre a été choisie, la langue française écartée, les plans de développement rigoureux, la percée économique, le niveau des infrastructures force l'admiration. Un leadership exceptionnel, l'adhésion des masses sont à la base de cet exploit, malgré la tragédie du génocide qui avait ému le monde entier. Nos fréquentes lamentations ne changeront rien, Dieu, c'est l'occasion de le répéter, ne viendra pas punir la France et récompenser le Congo pour ses innombrables et nombreuses souffrances, de la traite des Noirs à la colonisation, les Européens sont là, prêts à allonger le cortège de nos malheurs, nous avons intérêt à tourner sans faille toutes les pages sombres avec détermination pour gagner la bataille du développement.
dossier de sa candidature à l'élection du président de la République ce lundi 8 février 2021 à la Direction générale des affaires électorales, DGAE. Accompagné par quelques membres de son cabinet, le candidat Angios est allé d'abord présenter ses civilités au directeur général des affaires électorales avant de se rendre dans la salle administrative, là où tous les prétendants au fauteuil présidentiel viennent déposer leur dossier de candidature. Angios a fourni un dossier complet à en croire sa directrice de communication. Au sortir de cette exigence administrative, le candidat du PAR a répondu aux préoccupations de la presse, notamment sur la réaction des évêques du Congo relative à la gouvernance électorale. Les évêques ont évoqué cette question. C'est les droits. Nous sommes dans un état de droit. Il faut donner le droit à tout un chacun d'être libre de s'exprimer. C'est les opinions. C'est les textes. Donc je ne peux pas dire qu'ils ont mal parlé, non. Vous pensez que la gouvernance électorale, les conditions se sont réunies pour cette élection? Mais en réalité, ce n'est pas nous qui organisons les élections, hein. C'est l'administration qui organise les élections. C'est une intérieure d'organiser les élections. C'est parce que, bon, avec les ententes, on a créé la CENI. Tout ça, vous voyez ce que les gens travaillent à la CENI? Aux États-Unis, vous avez vu qu'il y a une commission électorale qui organise les élections. Ou bien en France, là où il y a la démocratie, le pays de la liberté, la République française, le pays qui respecte les droits de l'homme. Il y a une commission électorale là-bas. Bon. C'est parce que si le ministère de l'Intérieur, par ses collectivités locales, faisait le travail, chaque mois, on doit sortir la liste de ceux qui sont capables de voter. Parce que chaque mois, on a les gens qui ont 18 ans, etc. Tous les mois, et à la fin, on sort les listes. Et ça, c'est le travail des mairies. Les mairies travaillent avec les autres. Parce que pendant que je vous parle, là, je peux avoir même 10 ou 20 naissances. Ravi. Je suis très ravi de ce que tous les conseils départementaux de l'Union des démocrates humanistes Yuki, à travers tout le pays, se sont déclarés et ont demandé ma candidature à l'élection présidentielle du 17-21 mars 2021. C'est ce que je souhaitais. Et ici et maintenant, moi, Guy Brice Parfait Kolelas, fils de Bernard Bakana Kolelas, petit-fils de Ngamvuka, petit-fils de Samba Ndongo, je dis oui, je vais à l'élection présidentielle afin de relever le défi qui nous est lancé, le défi du développement, parce que le Congo souffre. Les mots sont tellement nombreux, indescriptibles, que je ne peux pas aujourd'hui laisser le peuple patauger dans la boue du PCT depuis 46 ans. Moi, Guy Brice Parfait Kolelas, je me refuse de voir le peuple souffrir. Et ici et maintenant, je relève le défi. Je dis, frères et sœurs, mes frères et sœurs, je vous ai toujours dit que quand le chemin est difficile, la difficulté devient le chemin. On ne doit pas reculer. Avancer. Toujours avancer jusqu'à la victoire finale. Bonjour, Président Bonaventure Mbaya. Bonjour. Alors, Président Bonaventure Mbaya, vous avez annoncé votre candidat à l'élection présidentielle du 21 mars 2021, le 15 janvier dernier, au cours d'un point de presse. Alors, nous voulons savoir, depuis cette annonce, quels sont les effets positifs que vous avez reçus de votre côté.
Les effets positifs, c'est déjà le fait que l'annonce de cette candidature était une réponse à la base du parti, à la base des sociodémocrates du Congo et également notre réseau international qui souhaitait que au Congo, il puisse y avoir aussi un candidat de notre réseau international et en l'occurrence, moi qui suis également le coordonnateur de ce réseau au niveau de l'Afrique centrale, et donc c'était très important que je présente cette candidature, mais surtout que je fasse que cette présentation de candidature soit assortie des conditions qui devront faire que le moment venu on puisse confirmer la candidature. Ce sont ces conditions de transparence qui font la crédibilité d'une élection présidentielle pour faire en sorte que cette élection cette année 2021 ne puisse pas se dérouler comme celle de 2016. Est-ce que vous pensez qu'en deux mois, le pouvoir en place va vraiment réunir les conditions que vous avez demandées pour garantir la crédibilité de cette élection? Est-ce que vous compterez maintenir votre candidature? Je ne crois pas qu'en deux mois, le pouvoir pourra réaliser les conditions d'une élection crédible et transparente. Déjà, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de problèmes qui sont aujourd'hui en train d'aggraver ce que sera l'élection de 2021 au mois de mars. Nous sommes maintenant à la fin du mois de janvier pratiquement. Le corps électoral n'a pas été maîtrisé. Les gens sont en train de refaire le corps électoral, mais sur la base de ce qui s'était passé en 2016, il n'y a pas eu un renouvellement du recensement pour avoir un corps électoral crédible. Il y a aussi le fait que le pouvoir a décidé de créer un corps électoral militaire. Mais les militaires, c'est d'abord des citoyens congolais, c'est des civils. Ils devraient voter en même temps que les civils. Mais quand on fait voter des militaires à part, j'ai vu que c'est le 17 mars, mais qui a la maîtrise du nombre de militaires qui sont recensés et qui prouve que tous ceux qui vont porter le statut de militaire le jour du vote du 17 mars seront des militaires. Tout cela devait faire l'objet d'un compromis politique, d'un consensus national pour avoir la maîtrise du corps électoral de l'armée. Mais le président Bonaventure Mbaya, vous savez tout ça, mais pourquoi avoir décidé de vous prononcer comme candidat à l'élection présidentielle? Mais je me suis présenté, j'ai annoncé la candidature, mais cette annonce était assortie des conditions qu'il fallait que le pouvoir réalise pour que je puisse confirmer la candidature. Et tel que c'est parti, président, vous allez retirer donc votre candidature? J'ai bien dit que si les réunions, si les conditions d'une élection crédible et transparente ne sont pas réunies, je ne pourrai pas confirmer ma candidature. C'est clair pour moi. Et c'est clair pour les gens de mon réseau parce que je ne veux pas être un simple accompagnateur des gens qui ont décidé de tricher et qui vont arrêter ceux qui vont contester les résultats quand la preuve sera donnée qu'il y a eu des tricheries, il y a eu des modifications des résultats. Est-ce qu'on va créer de nouveaux prisonniers politiques comme l'ont été en 2016 le général Mokoko, les André Okombi-Salissant et bien d'autres qui étaient très nombreux en prison en 2016 parce que nous étions en train de contester les résultats. Il y a eu un hold-up électoral. Est-ce que de votre côté, vous avez les moyens pour faire plier le pouvoir de vos amis pour qu'on essaie quand même d'organiser les élections comme il se doit? Mais le moyen, c'est la proposition que nous faisons depuis longtemps d'aller vers un dialogue national inclusif. Le dialogue national inclusif va définir les conditions de l'élection transparente. Même si on arrive à la fin du mandat du président, il y aura un consensus qui pourra faire que nous allons rentrer dans une période où le mandat du président étant terminé, nous allons préparer l'élection comme on l'a fait pendant la transition en 1991-92. Donc, si au mois de mars, les conditions d'une élection crédible et transparente ne sont pas réunies, mais on pourra décider unanimement dans le pays que pour que ces conditions soient réunies, il nous faut du temps. Si c'est un an, si c'est deux ans, ça va être une transition. Aujourd'hui, quand on regarde bien, la plupart des candidats sont en train d'exiger les conditions de transparence. Qu'on prenne Parfait Colella, qu'on prenne Mathias Zon,
qu'on comprenne Paulin Makaya, tout le monde, nous sommes en train d'exiger qu'il faut que l'élection soit crédible et transparente. Donc, moi, personnellement, je ne veux pas être un simple accompagnateur des gens qui auront déjà prévu de tricher et de trafiquer les résultats. Et quand on va essayer de les contester parce qu'on aura été candidat, on va se faire arrêter ou une armée va tirer sur les populations qui seront en train de contester et les résultats qui seront donnés, ça ne va pas. Il faut que le pays puisse retrouver la paix et que dans cette paix retrouvée, on puisse également consolider l'unité nationale et la concorde nationale. C'est la concorde nationale qui permet à un pays et à un pouvoir de trouver le compromis ou le consensus national. On ne vient pas imposer un consensus en fabriquant des décisions. Merci, Président Bonaventure Mbaya. Au niveau international, nous savons que vous êtes membre de l'international socialiste, au même titre que le président américain nouvellement élu, Joe Biden, au même titre que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au même titre que le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce réseau? Mais le réseau est pour qu'en Afrique, il puisse y avoir des régimes démocratiques. Pour atteindre ces régimes démocratiques, il faut que dans les pays africains, le dialogue devienne, un instrument de la gouvernance. C'est ce que nous sommes en train de faire, par exemple, en RDC avec le président Félix Tshisekedi. Et le but de ces dialogues, c'est pour consacrer ce que nous appelons au niveau de notre réseau une union sacrée de la nation. C'est l'union sacrée de la nation qui est la matérialisation de la concorde nationale. La concorde nationale, ça veut dire être en accord sur la façon de gouverner et sur la façon de développer le pays. Président, est-ce que les Congolais peuvent compter sur Bonaventure Mbaya pour bénéficier de l'implication des institutions comme l'UIA, les Nations Unies, les USA, dans le processus électoral du 21 mars 2021. Mais le processus électoral du 21 mars, le président de l'Union africaine, ça sera notre camarade Félix-Antoine Tshisekedi, qui va devenir président de l'Union africaine à partir de du mois de février prochain. Là. Donc du coup, il aura à gérer les situations de l'Afrique centrale. En Centrafrique, déjà, il y a un problème. Le président Touadéra a été élu, mais comme le pays est sous le coup des groupes armés et ainsi de suite, il n'y a pas de paix en Centrafrique. Mais il ne faut pas que la même situation se produise dans d'autres pays de l'Afrique centrale, ici chez nous au Congo-Brazzaville, ou au Gabon, ou ailleurs, ou au Cameroun, où il y a déjà des crises dans... Et les crises anglophones, par exemple, au Cameroun, il faut qu'on trouve des solutions. Et les solutions pour notre réseau, c'est le dialogue national inclusif. C'est ce dialogue national inclusif que le réseau avait, en quelque sorte, fait et exécuté en RDC sous la présidence du président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila, à la fin du dialogue, ne s'est plus présenté. Il a présenté un dauphin. Félix a gagné, il n'a pas mis le président Félix, il n'a pas mis le président Joseph Kabila en prison. Parce qu'il faut que la concorde nationale puisse consacrer l'union sacrée de la nation. Et c'est ça que moi, Bonaventure Mbaya, je propose ici au Congo, où nous sommes en train pour la plupart d'incriminer nos frères Mbochi, d'avoir en quelque sorte brisé le pays, alors qu'en réalité c'est l'erreur de l'élite Mbochi qui a dirigé le pays et qui a voulu instrumentaliser les frères Mbochi. Alors que quand on regarde très près dans les détails, nous voyons aussi qu'il y a des frères Mbochi qui souffrent de cette mauvaise gouvernance qui a été faite par pourtant les fils de l'ethnie, du groupe ethnique Mbochi. Ok. Président, Joe Biden est passé président, il a été investi. Nous allons vous donner la possibilité de lui souhaiter les vœux les meilleurs et puis bon vent à son activité. Oui, le président Joe Biden a reçu mes félicitations déjà pour son élection et le jour de son intronisation, en fait, j'ai aussi envoyé un message par l'intermédiaire de notre camarade Martine O'Malley, l'ancien gouverneur de l'État du Maryland, et qui a été aussi le maire de Baltimore.
Donc, ce sont des gens de notre réseau qui sont aujourd'hui en train de gérer les États-Unis, mais dans un... L'accord de Paris sur le réchauffement climatique et la lutte contre, je dirais, le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité. Donc, Joe Biden, il a le soutien dans un monde qui est aujourd'hui sous le coup de la globalisation. La globalisation oblige toute la planète à fonctionner dans une espèce de partenariat qui doit également, en quelque sorte, renforcer la solidarité au niveau de la planète. Ok. Président Bonaventure Mbaya, un dernier mot, certainement pour les militants de la Convergence citoyenne qui voulaient bien voir le président défendre les couleurs de cette formation politique à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Oui, le dernier mot que je voulais dire, c'est que nous sommes toujours candidats pour redresser la situation du pays. Quel que soit ce qui pourra se passer dans le pays, la Convergence citoyenne et l'Alliance social-démocrate du Congo seront des structures, des formations politiques disponibles et disposées à participer au redressement de la nation, parce que ça nous fait beaucoup mal de voir le Congo être totalement en difficulté aujourd'hui et de voir les populations congolaises souffrir de la mauvaise gouvernance et souffrir de la pauvreté qui aujourd'hui nous affecte tous dans ce contexte où il y a également. Le président de la chaîne, Joseph Kinyumbi Kyambungu, candidat à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo, a déposé le dossier de sa candidature à l'élection présidentielle ce samedi 6 février 2021 à la Direction générale des affaires électorales de GAE à Brazzaville. Accompagné par une équipe restreinte de son bureau politique, le candidat de la chaîne a fourni toutes les pièces exigées par la loi avant de recevoir son récépissé. Au sortir des locaux de la DGAE, Joseph Kinyumbi Kyambungu a fait une déclaration sur laquelle il a dénoncé la mauvaise gouvernance électorale. Ces immenses richesses, le Congo demeure un pays pauvre où 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Il souffre de tous les maux. Processus électoral émaillé de fraude, corps électoral non maîtrisé, parce qu'aucun recensement général ne se fait. Et par contre, il est remplacé par la révision extraordinaire des listes qui devient la règle depuis plus de 20 ans. Est érigé en système de gestion, la gabegie financière, la gestion opaque des finances publiques, chômage chaotique des jeunes, pensions de retraite non payées. Enfin, la population est jetée à la mendicité et à l'errance sans espoir de lendemain. Système éducatif et sanitaire, etc., etc. Devant cette misère, le peuple reste ignorant et l'élite exploite dangereusement cette ignorance. Le candidat de la chaîne, qui se dit porte-parole de la jeunesse, étudiants, retraités et autres, se propose de rassembler les Congolais de toute obédience et construire un État véritablement démocratique, entre autres. La construction d'une nouvelle société implique une révolution de mentalité. Joseph Kinyumbi Kyambungu, porte-parole de la jeunesse, des élèves et étudiants, des retraités, des travailleurs, enfin du peuple congolais, se propose de les conscientiser et de les moraliser. La plus marginalisée et la plus vulnérable. Elle est exposée à la corruption à moindre coût. Elle a la lourde responsabilité de pousser
de contraindre les dirigeants au changement. Il doit aller au-delà de la simple prise de conscience en choisissant le changement. Les défis à relever sont nombreux. Joseph Kinyumbi Kambungu se propose donc de rassembler les Congolais au-delà des appartenances politiques et ethniques. Construire un État véritablement démocratique, utiliser les richesses nationales au seul profit du pays. Question et une réelle redistribution de la richesse nationale. Faire respecter le bien public. Lutter contre le chômage chaotique des jeunes. Lutter contre la corruption et l'endettement. Diversifier les pôles de croissance économique pour sortir du tout pétrole. En créant les conditions d'une formation de qualité. Bref, il s'agira d'apporter aux Congolais le bien-être. À l'élection présidentielle du 21 mars, doutant de la capacité de régénération du pouvoir actuel, pour traduire l'espérance des Congolais en réalité, et à la demande de la base de mon parti, et des Congolais tout simplement, j'ai pris l'engagement de me présenter à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Je ne cesserai d'affirmer que le Congo a besoin d'une autre majorité politique pour construire le véritable changement souhaité et attendu par le peuple congolais. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, député et membre de l'opposition congolaise, Joseph Kinyumbi Kambungu est présentement deuxième secrétaire à l'Assemblée nationale de son pays. Les candidats à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 se succèdent à la Direction générale des affaires électorales, DGAE. Ce dimanche 7 février 2021, c'est Dave Mafula qui est allé déposer le dossier de sa candidature. Pour le jeune candidat, la présidentielle de mars 2021 est une élection majeure qui nécessite la transparence. Ainsi donc, il plaide pour que les évêques soient associés. Alors, l'inquiétude, non, j'en ai pas. Mais je pense que aujourd'hui, parce que j'ai déposé mon dossier, je ne voulais pas en parler avant, mais il faut que nous soyons vrai avec nous-mêmes. C'est-à-dire, cette élection est une élection majeure. Moi, j'ai entendu le président de la République dire qu'il veut que cette élection soit transparente. Aujourd'hui, il y a des évêques qui sont levés pour dire un certain nombre de choses. Moi, je propose au président de la République de regarder de quelle manière nous pouvons faire pour que l'Église soit aussi invitée dans ce processus électoral. Tout simplement, nous voulons une élection transparente et que le meilleur gagne. Dave Mafula a saisi cet instant devant la presse pour encourager les populations à aller se faire inscrire sur les listes électorales. Qui veulent que ça change, que cette élection est une opportunité pour nous. Nous savons que les choses peuvent changer. Mais pour que les choses changent, il faudrait que chacun de nous porte la responsabilité. À cette élection, il faut que les Congolais aillent voter. Et pour aller voter, il faut s'inscrire. On a encore la journée de demain, donc ils peuvent le faire. Et puis, il faut garder espoir que dans ce pays, nous pouvons faire la différence. Et surtout, je veux le dire à tous les Congolais, c'est que nous avons des valeurs qui sont des valeurs républicaines. Unité, travail, progrès. Que les gens ne voient pas exactement de façon physique, on ne voit pas l'unité, de façon physique, on ne voit pas le travail, de façon physique, on voit, mais rarement le progrès, parce que moi je pense qu'il manque deux autres valeurs, l'amour et le pardon. L'amour de ce pays, le pardon, l'unité des filles et fils de
ce pays sont entre autres éléments au cœur de son programme qui permettront les conditions de travail et donc du progrès selon le jeune candidat. Officier supérieur des forces armées congolaises à la retraite, ancien aide de camp des présidents Jacques Joachim Yombi Opango et Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui pasteur évangélique, Albert Onyange a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo ce lundi 1er février 2021 à Brazzaville au cours d'une conférence de presse. Motivé par un appel de Dieu, Albert Onyange, 67 ans, entend apporter dans la gouvernance la chose publique des valeurs d'éthique. Rompu avec l'exemplarité et notre effort commun doit porter sur ce thème. Sommes-nous un exemple de gouvernance? Non. Je m'attellerai donc à ce que nous le devenions et à ce que nous le demeurions. Qui nous afflige et à d'autres qui sont susceptibles de survenir, suffit à solliciter notre courage et notre dévotion. Je serai, si le peuple congolais en décide ainsi, le président de tous et de tous, pas l'homme d'un clan ou d'un parti. Tous nos atouts seront mobilisés et je ferai rayonner ce pays que j'aime par l'innovation, par le développement, par le sport, à qui ma famille doit tant et à qui nous avons tant donné. Je souhaite que les urnes rendent un verdict qui condamne les pratiques du passé et qui exige le redressement dont notre pays a besoin et auquel il a droit. Redressement moral, redressement social, redressement économique et politique. La mission est compliquée. Je suis prêt à relever les défis avec l'aide de Dieu et avec la force et l'intelligence de tout le peuple congolais. Certainement, j'ai eu à connaître la violence et la douleur des blessures. Mais le souvenir des souffrances passées ne contrarie en rien mon élan patriotique. Je suis, grâce à Dieu, encore suffisamment robuste pour rendre à mon pays tout ce qu'il m'a donné et je ne demande pour le faire que la confiance des Congolais, des Congolaises et des Congolais. La recherche des solutions aux grands défis de la modernité, le réchauffement climatique, la déforestation, la lutte contre le terrorisme, la mise à niveau des infrastructures. Ma candidature, mesdames et messieurs, n'est pas le fruit d'un calcul politicien. C'est la réponse à un appel que je ressens au plus profond de moi-même et auquel je ne puis me dérober. Ensemble, tout est possible. Tel est son slogan de campagne. L'ancien officier des forces armées congolaises ne fait aucun procès aux différentes gestions du passé. Lui, sur le présent et l'avenir. Me concerne, je ne m'attarde pas sur le passé, sinon sur le bilan du président. Moi, je vois le présent, j'ai compris le présent et je veux bâtir l'avenir. Le candidat à l'élection présidentielle de mars 2021, Albert Onyange, a demandé aux Congolais d'aller se faire inscrire sur les listes électorales. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.